Nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Il est 20h30 euh, heure locale et euh, nous sommes très très heureux de vous recevoir, de vous savoir euh, aussi euh, nombreux ce soir être connectés sur TV et radio de vie. Et que le Seigneur soit béni, Père. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Ton nom est grand, ton nom est élevé, ton nom est glorifié. Père, que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Nous te bénissons, Yeshua, Amashia, toi que nous attendons, toi que nous adorons, toi, le seul véritable Seigneur, le seul véritable Dieu. Et nous l'affirmons encore ce soir avec force, avec fermeté, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi euh, amoureux de la parole du Seigneur, amoureux de la vérité. Et euh, il n'y a qu'une vérité, c'est cette vérité-là qui a franchi. La vérité est celle qui nous libère. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, on va euh, prendre ce passage à partir du verset euh, 31. Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Et euh, nous allons lire jusqu'au verset 34. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais... Était esclave de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libre Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Voilà. Donc, la liberté. La liberté, euh, bien sûr, euh, euh, a un prix, la liberté euh, coûte cher, n'est-ce pas? Et, euh, et le Seigneur Jésus Christ nous propose justement cette liberté. Il est venu pour que les hommes soient libres, libres euh, euh, d'avancer euh, avec Dieu, de marcher avec Dieu, libres euh, par rapport aux péchés, par rapport aux addictions. Le Seigneur Jésus Christ est bien sûr. Le seul qui est capable de nous libérer de nos péchés et euh, et euh, la liberté c'est aussi le fait de connaître Dieu qui est Dieu quel est le nom de Dieu c'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir ce soir et c'est aussi la question que beaucoup de gens se posent qui est Dieu quel est le nom de notre Créateur s'il nous a créés en nous donnant des noms c'est parce qu'il lui-même, n'est-ce pas, est Dieu lui-même aussi a un nom. Et euh, vous savez que Dieu est juste un titre. Elohim en hébreu. Elohim a été euh, ce nom-là, ce titre-là plutôt a, a été utilisé aussi pour parler des divinités euh, païennes, de faux dieux, des démons les divinités euh, cananéennes comme Baal comme Astarté et, euh, comme et, euh, chez les Égyptiens euh, et, euh, Isis Osiris et Horus et euh, mais dans les Écritures et euh, le nom de le titre de Elorim a été souvent utilisé pour parler aussi de de, 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 de Dieu euh, comment dire Dagon par exemple Dagon dans les Écritures est aussi présenté comme un Elohim. Donc, on voit bien que il n'y a pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a été appelé, euh, nommé Elohim, Dieu qui portait ce titre, mais il y a également d'autres divinités. Mais c'est le nom de Dieu véritable, le nom propre de ce Dieu, le Créateur dont nous avons besoin parce que on ne peut pas invoquer. Euh, euh, servir ce Dieu si l'on ne connaît pas son nom véritablement et c'est ce que nous allons découvrir dans les Écritures. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que de Genèse à Apocalypse, n'est-ce pas, euh, ce livre euh, contient et euh, la Bible contient justement les saintes Écritures parce que le mot Bible signifie simplement euh, bibliothèque. Donc, nous croyons que ce livre a été inspiré par le Seigneur. Et, et ce que Dieu dit dedans est la vérité voilà donc nous sommes dans Genèse chapitre 3 c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent donc ce soir nous allons partager sur un thème qui quel est le nom de Dieu le nom du véritable, du, du véritable Dieu le nom de notre créateur dans exode chapitre 3 nous lisons à partir du verset premier pour comprendre un peu euh, euh, le message de ce soir Or Moïse fut berger du troupeau de Jétro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, la montagne d'Elorim à Horeb. Donc là nous avons ici le titre hein, Dieu comme président, comme préfet, comme roi. Ce sont des titres et euh, c'est aussi en même temps des fonctions. Voilà. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Et Yahweh vit que Moïse s'était détourné pour regarder et Dieu, il rime, l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point ici, déchausse tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu ici ne donne pas encore son nom. Il est en train, et le rime bien sûr, de parler à Moïse. Il se euh, il est en train de lui rappeler qu'il est celui qui qui s'est qu révélé à son père abraham à isaac et également à jacob donc à ses pères pourquoi parce que moïse dieu savait que moïse avait besoin d'une d'une référence parce que les hommes ont toujours besoin d'une référence et étant donné que les les, 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 les pères d'israël les pères des hébreux avait prié, prié le véritable Dieu, donc le Dieu tout-puissant. Mais Moïse avait besoin justement d'être rassuré que ce n'était pas n'importe quel Dieu, ce n'était pas un démon qui lui parlait, mais c'était véritablement le Dieu, le Dieu tout-puissant. Donc Dieu se révère se réfère à Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite, Moïse nous dit la parole, se cacha. Hein, Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Et Yahweh, là ça change. Ça passe de Elohim à Yahweh. D'accord Donc on va euh, dans euh, le tableau euh, de droite, la colonne de droite sur votre écran. Alors on va aller rapidement euh, euh, cliquer sur Dieu d'abord. Parce qu'il y a plusieurs termes hébreux utilisés pour parler de Dieu. Il y a Elohim et vous avez aussi El. Hein? Donc El, c'est le singulier euh, et Elohim, c'est le pluriel. Alors, on va, l'équipe va nous aider. Donc, au verset 6, bien sûr. Donc, on va commencer devant le 6. Devant le 6, devant. Voilà, parce que l'hébreu se lit, de gauche à, de droite à gauche. Donc, on commence avec juste devant le 6. Voilà, c'est bon. Et, et, euh, donc là, c'est Amar, derrière le 6 plutôt. Donc, c'est Amar. Logiquement. Là c'est le 5. On descend. On descend. On descend. Là, c'est le 6. Voilà. Donc, on a ici Elohim. Vous voyez, c'est Elohim, Dieu Elohim. Donc c'est un pluriel. Un pluriel qui a été aussi euh, utilisé, et, euh, qui a été aussi utilisé pour parler d'autres divinités comme Baal comme Astarté, comme Dagon, le dieu des Philistins, par exemple. Et euh, donc, Elohim signifie aussi euh, juge, ange, hein, euh, et, euh, une quelconque divinité, hein, ou encore dieu, bien sûr. Et nous sommes dans le chapitre, dans le verset 7. Dans le verset 7, donc le texte de droite, hein, sur votre écran, dans la colonne de droite, c'est le texte hébreu, bien sûr le texte massorétique mas, donc les massorètes étaient des euh, scribes euh, des écrivains juifs donc le chapitre le verset 7 on va descendre s'il vous plaît le verset 7 voilà en hébreu voilà c'est on y est donc là on nous dit euh il y a le verset 7 ça c'est le verset 6 voilà là c'est le 7 et on nous dit et Yahweh dit donc on va aller cliquer sur Yahweh et euh, juste devant 7 voilà devant le 7 donc il y a c'est Amar Dieu dit Amar c'est parler hein, to say speak euh, donc parler comme si euh, Dieu s'adressait donc Dieu s'adressait c'est même pas comme si Dieu s'adressait à une personne réelle, c'est-à-dire Moïse Et tout de suite après nous avons euh, euh, le tétragramme Le tétragramme, et euh, c'est-à-dire Yod La lettre Yod, ça c'est la première lettre Qui veut dire euh, Yod ou Yud, la main Nous avons la lettre E, l'ouange La lettre wave le clou Et la lettre E, les quatre lettres que vous avez d'ailleurs sur votre écran et, euh, En bleu, n'est-ce pas donc euh, les lettres hébraïques que vous avez sur votre écran en bleu. Donc les quatre lettres que compose le nom euh, euh, et euh, le plus cité de Dieu, le, le, le nom le plus révélé, le plus euh, révélé, le plus cité dans le Tanakh, c'est-à-dire les écrits euh, hébraïques. Donc là on nous dit que Dieu Elohim Yahweh littéralement Elohim Yahweh Elohim le tétragramme dit à Moïse. Donc là nous avons ici le nom de Dieu. Qui va être révélé à Moïse. Mais ce nom-là, on le voit déjà dans Genèse, n'est-ce pas et avec la création de l'homme. Et là, Dieu parlait d'abord de son titre. Il se révèle d'abord en tant que euh, Dieu, en tant que Créateur. Et là, tout de suite, il donne son nom à Moïse. Et on nous dit que Yahweh dit et Yahweh dit J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs. Car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis, je suis, je suis descendu pour le délivrer. Donc pourquoi j'ai insisté sur le je, je suis, parce que le je suis, c'est aussi le nom de Dieu, hein, le nom de Dieu et euh, qui a été révélé. Voilà. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant donc viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moïse répondit à Elohim, à Dieu, Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël. Et Dieu lui dit Va, car je suis, je suis. C'est toujours le nom de Dieu. Je suis avec toi. Vous savez que dans euh, un hébreu biblique, c'est-à-dire la, cette langue, bien sûr, comme les grecs, le grec biblique, ces deux langues bibliques euh, euh, n'existent plus. Hein, C'est des langues mortes. Donc, en hébreu biblique, euh, il n'y a pas d'auxiliaire avoir ni euh, euh, d'auxiliaire être. Pas de verbe être ni avoir. Il n'y a que le présent. Euh, il euh, n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur non plus, il n'y a que le présent continu. Donc Dieu est, Dieu a toujours été. Donc Dieu ne connaît ni le passé, ni le, ni le futur, il est toujours Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il se présente à Moïse comme ⁇ Je suis hein, ⁇ Il n'a pas dit ⁇ J'étais, je suis ⁇ Voilà, c'est que le présent en hébreu biblique et dans le grec biblique, il n'y a que le présent. Voilà. Et là, Dieu dit quoi Ben, euh, je suis avec toi. Et là, ce n'est pas l'auxiliaire être. C'est le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu disait à Moïse Celui qui s'appelle Je suis est avec toi, littéralement. C'est-à-dire, il est en train de dire à Moïse Le Dieu qui est hors du temps, le Dieu qui n'a pas de commencement de vie ni fin de vie, est avec toi, littéralement. Voilà. Car je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui descend à chaque fois pour libérer son peuple. Il est descendu pour créer l'homme du ciel. Il est descendu du ciel pour créer l'homme. Il est descendu sur le mont Sinai pour donner la loi, la Torah aux enfants d'Israël. Il est descendu pour libérer les Hébreux, comme c'est le cas ici, pour libérer les Hébreux de l'Égypte. Ensuite, il est descendu sur le mont Sinaï pour leur donner la loi. Et il est descendu sous la forme humaine, Yeshua, et on va le voir. Et Moïse dit à Dieu, Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom, que leur dirai-je Donc Moïse était préoccupé. Il voulait savoir le nom de Dieu. Quel est ton nom? Quel est son nom? Pour que je puisse justement euh, euh, me faire comprendre, pour être bien compris de ton peuple. Parce que si j'arrive en Égypte et que je me mets à dire Dieu m'envoie vers vous, ben, les, les Hébreux qui connaissent euh, 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 les mœurs égyptiennes, qui connaissent les, la culture, qui connaissaient à l'époque la culture égyptienne, qui savaient que les Égyptiens avaient plusieurs prières, plusieurs divinités, notamment euh, euh, ils avaient aussi une triade. Euh, euh, Isis, Osiris et Horus. Alors, tous, toutes ces divinités s'appelaient aussi Dieu. On les appelait aussi Dieu. C'est-à-dire Elohim. Maintenant, lequel Toi, tu me dis que lequel est Dieu parce que tu me dis euh, d'aller en, en Égypte, de dire à tout le monde Elohim m'envoie vous libérer. D'accord. Mais là-bas aussi, il y a plusieurs Elohim. Alors, s'ils si me disent, bah oui, mais euh, il y a plusieurs Elohim ici, Donne-nous le nom de Elohim, de, cette, cette, de ce Elohim qui t'a envoyé. Quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé Et là, au verset 14, Dieu dit à Moïse, Je suis qui je suis Et il dit, Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors on va aller cliquer sur le, le commentaire que nous avons pu mettre. Donc, Je suis, en hébreu bien sûr, c'est ayez. Hein? Donc ayet, euh, donc e h y e h en hébreu. Donc c'est de là que vient le nom de Yahweh. Donc je suis et la base, la racine même du nom de Yahweh, c'est-à-dire je suis et donc ayez e est la racine du tétragramme, les quatre lettres que compose le nom de Dieu. Le tétragramme est le nom de Dieu le plus cité dans les écritures il est fait mention de près de il y a près de 6000 mentions plus de 6000 mentions de nom de Yahweh dans les écritures hébraïques ce nom est cité plus de 6000 fois c'est le seul nom qui est révélé autant dans qui a été révélé autant dans les écritures saintes or le nom de Yeshua le nom de Jésus signifie Yahweh et salut. C'est-à-dire les quatre lettres, le tétragramme et salut. Dieu révèle son nom à Moïse. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Donc voyez mes amis, et Moïse a posé une question légitime. Tu m'envoies libérer ton peuple. OK. Tu te présentes à moi comme Elohim. OK. C'est-à-dire Dieu. oui, mais il y a plusieurs dieux. Quel est ton nom on, on va certainement me poser la question, mais c'est quoi ce nom Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé Est-ce Horus Est-ce Isis Est-ce euh, est, 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 euh, Isis Quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé Et Dieu dit, ben voilà mon nom. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, Yahweh, voilà, Yahweh, c'est-à-dire le tétragramme, les quatre lettres, les quatre lettres. Voyez, mes amis, et Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Dieu le dit, ici c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit et nous disons amen à cette parole qui est inspirée de Dieu. Et Dieu dit lui-même c'est là mon nom. C'est Dieu qui le dit. C'est là mon nom. Tu diras aux enfants d'Israël que ce nom-là est un nom éternel. Pour l'éternité, d'âge en âge. Et il, il dit en plus de cela, c est, c est, c est, ça va être un souvenir. Un souvenir, un rappel d'âge en âge. Dieu, quand il parle, mes amis, euh, on ne peut que. L'écouter parce qu'il a raison. Le Seigneur est vrai. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est vrai. Et, 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 et euh, voilà. Yahweh, le tétragramme. Donc les quatre lettres. Et Moïse a reçu ce nom. Il a reçu euh, une réponse claire et nette à sa question. Donc il était satisfait. Et qu'est-ce que Dieu va dire plus tard Nous sommes dans Ésaïe. Chapitre 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle. Voici, je suis. Waouh! Dieu, au 8e siècle avant Jésus-Christ, suscite le prophète Esaïe et il dit à cet homme, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle, voici, je suis. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous révéler ici quelque chose de très important. Il est en train de dire aux gens, de nous dire à nous tous, que seul le peuple de Dieu connaîtra son nom. Bah ben oui. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux. Et, euh, et chaque Dieu a un nom, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas sept, il n'y en a qu'un. Les Écritures nous disent que Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme il y a un seul Dieu, donc ce Dieu a un nom, un nom qui lui est propre, un nom qui, qui lui-même, mes amis, porte depuis l'éternité, parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il dit que son peuple connaîtra son nom mes frères et sœurs vous qui cherchez le Seigneur vous qui aimez Dieu eh ben Dieu dit que son peuple connaîtra son nom c'est pas moi qui le dis alors allons voir dans le livre de Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 Jésus est en train de parler Jésus-Christ est homme parce qu'il était 100% homme et en tant qu'homme, il était prophète, en tant qu'homme, il, euh, euh, il est en tant homme, il est prophète, parce que non seulement qu'il était prophète, mais il est également prophète, en tant qu'homme, il est grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. en tant qu'homme, il est et euh, mes amis, et euh, le, le, le prophète, il est le, le grand prêtre et il est aussi le roi. Et là, en tant qu'homme, Jésus parle. Parle à son Père. Oui, il est 100% homme et 100% Dieu. Ça choque les gens. Mais pourtant, euh, quand on dit à un, à un homme, vous êtes à la fois le fils de vos, pa vos parents, le père de vos enfants, le citoyen français ou européen ou africain ou asiatique, en même temps, vous êtes aussi l'époux de votre femme, ça ne choque personne. Un seul homme peut avoir plusieurs fonctions. Père, fils. Et euh, époux citoyens français, ça ne choque personne. Et quant à Dieu, les gens sont choqués. Comment ça se fait qu'il soit à la fois Père, Fils et Saint Esprit Bah oui, Dieu est tout puissant. On nous dit dans la, Dieu dit dans la Parole qu'il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est tout puissant et il fait tout ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Mes amis, qu'est-ce que la Parole nous dit Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel et il dit Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout, qui, à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais vous voyez bien que c'est écrit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé. Mais oui, c'est écrit, mais en tant qu'homme, oui, mais il est aussi Dieu. Et en tant que Dieu, vous allez voir, Jésus-Christ a, bien sûr, des attributs. Et euh, euh, divin et on va le voir en tant qu'homme il il, il, il il est venu nous sauver il est venu mourir à la croix non en tant que dieu mais en tant qu'homme il a vaincu satan il a vaincu le péché non en tant que dieu mais en tant qu'homme mais il n'était pas, pas seulement homme mais il est aussi il était aussi dieu et il est dieu et qu'est-ce qu'il dit il dit, dit j'ai je, je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire nous parlons du nom de dieu et Qu'est-ce que le Seigneur continue à dire? Il dit, et maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître, ça c'est le verset, euh, voilà, que je voulais lire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus dit qu'il a fait connaître le nom du Père à ses disciples n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, d'accord Cela veut dire que les douze apôtres, Pierre, Paul, euh, comment Pierre, Jacques, parce que Paul n'était pas encore appelé à cette époque. Donc les douze apôtres de l'agneau, Pierre, euh, Jacques, Jean, Matthieu, euh, Barthélemy, Philippe et, euh, et euh, comment dire Judas, hein, Jude aussi. Tous ces disciples, tous ces apôtres, il y en avait douze connaissez le nom du Père, parce que Jésus l'a dit, j'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'as donné. N'est-ce pas? Aux hommes que tu m'as donné. Donc, avant la crucifixion, les apôtres connaissaient le nom de Dieu, le nom du Père. Et vous allez voir que bizarrement, quand ils vont écrire leurs euh, lettres, comme Pierre qui a écrit un Pierre et deux Pierres, comme Jacques, euh, Jacques qui a écrit Jacques c'est le frère du Seigneur, là il n'était pas encore converti, c'est vrai. Comme euh, par exemple, euh, 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 donc il y a Pierre qui a écrit, il y a Jude aussi qui a écrit, Jude euh, euh, qui était le frère du Seigneur, il n'était pas encore converti. Mais vous allez voir que avant sa crucifixion, les, dis, les disciples, les apôtres, connaissaient le nom du Père. Ils le connaissaient, Jésus l'a dit Je fais connaître ton nom. Et nous savons tous que le nom de Dieu le plus cité, le plus connu dans les écrits hébraïques, c'était le tétragramme. Les quatre lettres yod ou yud, la main, ce sera la première lettre. La deuxième lettre, c'est la lettre e, la lettre e qui veut dire louange. Et la troisième, c'est la lettre wav ou vav, c'est le clou. Et la quatrième lettre, c'est la lettre e, la louange. Donc ces quatre lettres-là, c'était, n'est-ce pas, le nom de Dieu le plus cité. Et Jésus dit qu'il avait fait connaître le nom de Dieu à ses apôtres. Allons maintenant voir, quand Christ est mort et ressuscité, quel est le nom que Pierre, Jacques, Jean ont révélé aux gens, aux hommes. Quel est le nom qu'ils ont proclamé, le nom qu'ils ont enseigné aux gens. Parce qu'ils ont enseigné en ce nom-là. Ils avaient reçu le nom du Père, le nom de Dieu. Et vous allez, rappelez-vous bien que ces apôtres, Pierre, Jacques et Jean, étaient... Tous hébreux. Donc ils connaissaient le nom de Yahweh. Ils connaissaient le nom de Yahweh. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas utiliser le nom de Yahweh, mais un autre nom. Et on va le voir. Et, euh, et euh, dans, nous sommes dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Et euh, nous lisons à partir du verset 10, effectivement. Donc là, on va aller à côté, dans la colonne de droite, euh, dans le texte euh, grec, ce qu'on appelle le texte reçu. Voilà. Donc on recommence encore, acte chapitre 4. Donc là, nous avons le texte grec sur, le, sur la colonne de droite. Dans la colonne de droite. Et acte 4, à partir du verset 10. Sachez, voilà, avec autorité, avec fermeté, ici Pierre parle, c'est Pierre qui annonce la parole ici, Pierre l'apôtre, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est ce, que au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut. Ce n'est pas moi qui le dis. Je crois ce que les saintes écritures euh, disent, mes amis. Il n'y a de salut. Il n'y a de délivrance. Il n'y a de guérison. Il n'y a de restauration en aucun autre. Ça, c'est catégorique, mes amis. C'est ça l'évangile. Et ne... Ne me traitez pas de sectaire parce que ce parce n'est que pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que lire ce que tu écris. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Il faut souligner, mes amis, ce passage-là dans vos Bibles parce que c'est un passage clé. Rappelez-vous bien qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs noms. Et, et, et ici, Yahweh disait, n'est-ce pas, dans les Écritures avec Moïse, que le peuple de Dieu connaîtra son nom. Et la pierre arrive ici avec force et détermination. Il dit, il n'y a de salut à aucun autre. Déjà, ça c'est clair, ce n'est pas Shorah qui peut vous guérir, vous délivrer, loin de là, n'est-ce pas Je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est que celui que Dieu nous donne, celui que Dieu a donné à tous les chrétiens, à tous les, tous les hommes, à toutes les femmes qui l'aiment, qui le cherchent sincèrement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de la Bible. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre est catégorique, il dit, il n'y a de salut à aucun autre. Moi je le crois. Voilà. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, mes amis, la parole est claire. La parole est claire. Et quel est son nom là, mes amis? Quel est son nom? Quel est son nom? Et et. et Regardez le verset 13. Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que, sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Voilà le nom en question. Et allons voir Jésus. En hébreu, dans le grec, pardon. Et euh Voilà. voilà le nom de Jésus en grec. Ici, Pierre est en train de prêcher en grec parce que ça a été écrit en grec. Il parlait l'araméen. L'hébreu était la langue, malheureusement, à l'époque, elle n'était plus, plus parlée par le peuple. Le peuple parlait plus l'araméen parce qu'ils étaient sortis, mes amis, de la Chaldée, c'est-à-dire de Babylone, et les Babyloniens parlaient le, le, le chaldéen et euh, l'araméen. Voilà pourquoi, quand ils sont revenus en Israël, les Hébreux parlaient plus l'araméen que l'hébreu. Que et l'hébreu était réservé aux prêtres, hein, était utilisé au temple et euh, dans les synagogues lors de la lecture de la Torah ou des enseignements. Voilà. Donc, le, sinon le peuple, à l'époque, parlait l'araméen. Et là, les apôtres, par contre, ils ont annoncé l'évangile, ils ont prêché aussi euh, en grec parce que le grec était une langue commerciale à l'époque, comme l'anglais aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi les écrits de la nouvelle alliance, à partir de, 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 de même les quatre évangiles. Hein, les quatre évangiles et les écrits de la nouvelle alliance euh, sont euh, en grec. voilà. donc là, nous avons le nom de jésus en grec. jésus. jésus. signifie quoi? jésus signifie yahweh et salut. yahweh, c'est-à-dire le tétragramme. les quatre lettres, rappelez-vous bien. Que le, 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 le tétragramme, les quatre lettres, représentent le nom de Dieu le plus cité dans les écrits hébraïques de Genèse à Malachi, de Genèse, Genèse à Malachie. Et, 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 et Jésus vient, notre maître, Yeshua, et son nom, on nous dit que ce nom, nom signifie le tétragramme et salut. Vous voyez, on a rajouté devant le tétragramme salut c'est-à-dire euh, 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 le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est le seul qui sauve et le seul qui guérit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je le dis à chaque fois. Pourquoi Parce que je crois que ce livre, la parole de Dieu, a été inspiré par Dieu. Je crois que, mes amis, ce livre est toujours d'actualité. Et ce livre qui a parlé, qui parle et qui parlera demain encore euh, des choses à venir. Et nous voyons euh, l'accomplissement des prophéties bibliques sous nos yeux. Ce livre a prédit beaucoup de choses euh, qui se réalisent aujourd'hui, mes amis. Oui, ce livre a prédit euh, des guerres, et on en, on, on en voit. Ce livre a prédit, mes amis, euh, l'Organisation mondiale, et on, on, on le voit. Ce livre a prédit la confusion à la fin de temps, et on le voit, mes amis, on voit ces choses se manifester. On, 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 euh, ce livre a prédit la confusion, et on la voit, cette confusion, sous nos yeux. Donc, moi, je crois que ce livre est vraiment euh, inspiré par le Seigneur écrit par les hommes, mais ces hommes étaient inspirés par le Seigneur. Et quand ce livre dit que Dieu est descendu sur terre, a pris la forme humaine et a commencé à porter le nom de Jésus, Yahweh et Sauveur, je le crois. Je le crois, oui mes amis. Pourquoi Parce qu'il ben, fallait que le tétragramme hein, se manifeste physiquement, hein, euh, se matérialise. Euh, prennent l'enveloppe humaine pour sauver les hommes. C'est ça, mes amis, le, ce qui, 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 que beaucoup ne comprennent pas, comment ça se fait que votre Dieu ait pu euh, prendre la forme humaine et, euh, et, et vivre au milieu des hommes. C'est ça, le mystère de la piété. C'est ce que les Écritures nous, nous disent, le mystère de la piété. C'est-à-dire le mystère, n'est-ce pas, de l'incarnation, de l'amour de Dieu. Pour les hommes. C'est un mystère. Ça veut dire que il faut être le peuple de Dieu pour comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu doit ouvrir ton intelligence, mon intelligence, pour que nous saisissions ces choses. Voilà. Et, euh, je ne parle pas du peuple de Dieu qui est enfermé dans un bâtiment, ou dans un carcan, ou dans une religion quelconque. C'est pas ça que je, je, dis. Je dis, ce sont, le peuple de Dieu constitue ses hommes et ses femmes. Issus de toutes les nationalités, de toutes les nations, de tout, tous les pays, de tout le peuple, qui ne sont pas contrôlés par les hommes, qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, qui manifestent l'amour du Seigneur et qui bénissent les gens qui les maudissent, qui prient pour les gens qui les persécutent, mes amis, et qui, mes amis, sont pleins d'amour, l'amour pour le Seigneur et l'amour pour les perdus, et qui sont zélés pour la vérité, et qui honorent, mes amis, les uns les autres, et qui bénissent également les autorités du pays où ils vivent. Ce sont justement des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ. Mais ce ne sont pas des chrétiens de nom. Ce sont des gens qui ont une relation avec leur Dieu et qui parlent avec mes amis avec conviction et qui ne forcent personne à la conversion, qui ne tuent pas pour convaincre les gens que leur Dieu est tout puissant, qui ne menacent pas les gens de mort si ces derniers ne veulent pas se convertir, pas du tout. Ils sont pleins d'amour, ces chrétiens. Ils prient pour les uns et les autres. Et ils sont des porteurs de la paix, la paix de Dieu. Et bien sûr, par leur prédication, par leur amour pour le Seigneur, ils sont souvent persécutés, ils sont souvent incompris. Et euh, ils peuvent, euh, par leur prédication, et, euh, et, euh, être traités des gens qui sement la confusion, alors que c'est des gens qui sont tout simplement animés de l'amour pour le Seigneur et de l'amour pour les uns et les autres. Et là, justement, ici, on nous dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Vous voyez, Jésus veut dire quoi Jésus signifie, hein, Jésus vient du grec Jésus. Iésous est une translittération, une translittération de Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ en araméen qui est en même temps une traduction de Yehoshua, hein, de l'hébreu Yehoshua. Yehoshua euh, euh, est traduit aussi en français par Josué. Et c'est Moïse qui et le premier à utiliser ce nom-là, le nom de Yehoshua. C'est-à-dire il a changé le nom de son, de son fidèle disciple euh, Josué, hein, son collaborateur, son, son enfant de la foi, Josué en Yehoshua. Et Yehoshua a donné en araméen Yeshua. Yeshua a donné en, 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 en grec Jésus. Jésus a donné en français Jésus. Voilà. Alors il y en a qui veulent... Absolument dire aux gens, qui disent aux gens, si vous ne prononcez pas le nom de Yeshua vous ne pour, pouvez pas être délivré, tout ça, euh, c'est parce que le Seigneur nous enseigne, mes amis. Dieu veut toucher les nations. Il est Dieu, il ne change pas. Qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Yézus, qu'on l'appelle Yeshua, qu'on l'appelle euh, Yehoshua, mes amis, euh, le plus important, c'est le cœur. Le cœur qui se tourne vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et là, mes amis, et euh, voilà le nom de Yeshua. Et Pierre dit au Sanhedrin, c'est-à-dire il s'adresse aux dirigeants des Juifs, il s'adresse aux, 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 aux anciens, il s'adresse aux gens qui connaissaient la Torah, il s'adresse aux érudits, aux gens qui maîtrisaient, mes amis, euh, 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 l'hébreu, et qui avaient une connaissance assez, euh, assez une connaissance profonde des Écritures. Et Pierre, qui, qui était sans instruction, qui était un homme du commun peuple, qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques, à l'époque il y en avait deux, l'école d'Ilel et celle de Chamay, Pierre, qui était un pêcheur, pêcheur par rapport à sa vie, par rapport à l'immoralité dans laquelle il était, pêcheur par rapport à son métier. Voilà cet homme, Pierre, sans lettres, un homme sans lettres, sans diplôme. Va se retrouver en face, mes amis, des lettrés, en face des gens très, très intelligents, remplis de connaissances, et il va leur proclamer la parole véritable, et il va leur rappeler, il va leur dire plutôt, hein, leur révéler le nom du véritable Dieu. Ah oui, parce que Pierre faisait partie du peuple de Dieu. Et les religieux en face de lui, mes amis, faisaient partie de la, de, 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 de la religion apostate, de l'église apostate, l'assemblée apostate et euh, qui était beaucoup plus euh, attaché aux, aux coutumes, aux traditions d'hommes, euh, plutôt que euh, à la parole véritable, à la parole vivante du Seigneur. Et Pierre proclame avec force que Jésus est bel et bien le seul nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Oui, mes amis, il est le seul Jésus à avoir dit, « Qui de vous peut me convaincre du péché ?» Et dans Philippiens 2, chapitre 9, jusqu'au verset 11, on nous dit que, euh, mes amis, Jésus a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. Si Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, de tous les noms, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un autre nom que porterait le Dieu qui serait au-dessus de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Parce que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi, je préfère croire en la parole de Dieu. Voyez mes amis Et regardez, regardez, dans Matthieu. 20, 28. Matthew, chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce que la parole nous dit à partir du verset euh, 16 Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les disciples, après la résurrection de Jésus-Christ, ils l'ont adoré. Or, les Écritures nous apprennent qu'on ne doit adorer aucun autre dieu que le dieu d'abraham d'isaac et de jacob donc les disciples savaient que jésus est le nom de dieu c'est-à-dire yahweh est sauveur jésus est le père ils le savaient voilà pourquoi ils l'ont adoré quelques-uns doutèrent et regardez la réaction de jésus il ne sait pas il n'a pas refusé l'adoration de ses disciples pas du tout parce que il est dieu voilà voilà jésus s'étant approché leur parlant en disant toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur dit qu'il faut baptiser les gens dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom ici, en grec, est au singulier. Donc, ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom. Et comment les apôtres ont baptisé les gens Nous sommes dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, nous lisons à partir du verset 37. Et après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes, frères, que ferons-nous Et Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pour obtenir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre est catholique. Hein, pourtant, quand le Seigneur a dit dans Matthieu, 19, Matthieu 28, 19, là-bas, à 20, vous devez, hein, à partir du verset 18, vous, vous allez dans le monde entier, faites de nations de mes disciples, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Fils, Père et Saint-Esprit portent le même, le même nom. Parce qu'il y a un seul Dieu. Donc, ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit sont des, des fonctions. C'est tout. La, le Père est, en, est une fonction. Père n'est pas un nom. Quelqu'un a enseigné que père est un nom. Non, père hein, est, est, est d'abord une fonction hein, que quelqu'un va exercer. Pourquoi Parce que un homme qui n'a pas d'enfant, il n'est pas père. Vous voyez Il n'est pas père. On est père parce qu'on a des enfants. Parce qu'on est appelé à exercer, à jouer un rôle celui d'éduquer, celui d'enseigner, celui de nourrir, de protéger, d'écouter. Ça, c'est la fonction. Du Père. Vous ne pouvez pas prendre un jeune homme ou un homme, même s'il a 90 ans, qui n'a pas d'enfant, vous n'allez pas l'appeler Père. Non, parce qu'il n'est pas Père. Il est Père parce qu'il a engendré. Donc, si, mes amis, euh, 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 Pierre a pu baptiser les gens ici dans le nom de Jésus-Christ, Pierre avait compris que Jésus-Christ est le Père parce qu'il nous a engendrés. Oui, parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous a engendrés. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait appeler les apôtres mes enfants. Ben oui, mes amis, ça ne doit pas vous choquer, c'est écrit. C'est écrit, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, et nous allons l'affirmer haut et fort. Et nous n'avons pas peur de témoigner de ces choses-là parce que c'est écrit, parce que c'est la vérité. Nous n'avons pas à être intimidés parce que c'est la parole de Dieu. Et nous prenons position pour la vérité et la défendre avec amour, avec force, avec détermination. Parce que nous, chrétiens, nous avons aussi des convictions et nous y tenons, nous y tenons parce que nous aimons notre Dieu. Voilà. Mais nous n'allons pas menacer les gens. Euh, de les égorger, de les tuer, parce qu'ils ne croient pas en cela. Chacun est libre. Chacun est libre. Dieu, notre Créateur, a permis, laisse les hommes, mes amis, euh, 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 choisir. Il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Mais, et, et, mes amis, euh, Dieu n'est pas un dictateur. Chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de croire euh, dans ce qu'il veut. C'est ça aussi, mes amis. La liberté que Dieu a donnée aux hommes. Mais à la fin, chacun aura de comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, le seul qui nous a créés. Vous voyez Et euh, le Dieu de la Bible se défend lui-même. Il est celui qui dit aux gens, Jésus-Christ, notre Maître si on vous frappe sur la joue gauche, donnez la joue droite. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez vos ennemis. Et. Jésus toujours, mes amis, dans Apocalypse. D'abord dans Romain chapitre, chapitre euh, euh, 8. Romains chapitre 8, le verset 9. Qu'est-ce que Paul nous apprend? Paul dit, pour vous, vous vivez. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Dieu est aussi appelé l'esprit de Christ. Vous vous rendez compte, mes amis Donc l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, c'est le même esprit. Et vous ne pouvez pas, euh, mes amis, disséquer, disséquer Dieu en trois morceaux, en quatre morceaux, en quatre personnes ou trois personnes. Non, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, car Dieu est Esprit et l'esprit de dieu et l'esprit de christ et dieu est un il y a un seul dieu et c'est jésus père fils et saint esprit et qu'est-ce que dieu nous dit plus loin dans romains chapitre 8 le verset 5 romains 9 5 pardon romains chapitre 9 le verset 5 qu'est-ce que les écritures nous disent ici Donc on va commencer à partir du verset 3, verset 3. car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères, et de qui est sorti selon la chair, selon la chair, parce que Dieu est devenu homme. Christ qui est Dieu au-dessus de tout chose. Béni éternellement. Amen. Christ qui est Dieu. Paul est catégorique. Christ qui est Dieu. Et il est au-dessus de toute chose. Ça, c'est un verset aussi que les chrétiens doivent garder, mes amis, dans leur cœur. Parce qu'il est question de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Christ qui est Dieu. Au-dessus de toute chose. Et nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset euh, chapitre 2 à partir du verset 9. Car en lui, car en lui, en lui qui, lui qui, Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude. On n'a pas dit une partie de la divinité pour qu'une autre partie soit donnée à un autre Dieu. Non, on a dit toute la plénitude toute la plénitude de la divinité mes amis, chrétiens il est écrit euh, ici euh, de manière claire et, et, et nette que toute la divinité toute la plénitude, on sait ce que c'est une plénitude hein? Hein? c'est quand quelque chose est rempli, rempli jusqu'à voilà, jusqu'à déborder donc une coupe qui est remplie, qui est pleine donc toute la plénitude de la divinité se trouve en Christ c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit donc, si toute la plénitude de la, de la divinité est en Christ, alors où, est où sont d'autres divinités Où est le Père, si ce n'est ne lui-même Yeshua Vous voyez, mes amis Parce que toute la plénitude est en lui, toute. On peut aller dans le grec pour aller voir, mes amis, le mot toute, hein, pour avoir euh, plénitude, en verset 9. Donc, euh, et, euh, voilà. On va commencer par, dès le début. Car, hein, because, parce que, hein, parce que, et ensuite, voilà, on continue, voilà, et euh, encore, d'accord, voilà, plé-roman, plé-roman, vous voyez, mes, mes amis, toute la plénitude, ça, le grec le dit clairement ici, mes amis, toute la plénitude, hein, euh, habite dans, euh, corporellement, corporellement, hein, plé pléroma. Hein. On continue encore, là. Et juste avant, pléroma, euh, corporellement. Juste avant, encore. Là, derrière. Non, juste avant. Encore, juste avant. Voilà. Là, c'est pas Hein, « Pas » ou pas, c'est toute. Voilà, toute. Vous voyez bien que ce, ce, le, le toute là, mes amis, c'est vraiment, ce n'est pas un mot qui a été rajouté, mais on le trouve dans, mes amis, dans le texte grec. Toute la plénitude se trouve en Christ. toute la plénitude de la divinité. Tout. Toute la, donc, il n'y a pas une partie qui est, qui, qui a échappé. Non, c'est toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Donc, voyez bien mes amis, cette, cette parole aussi, ce verset aussi, vous devez le garder. Ça, c'est un conseil. Gardez-le dans votre cœur. Voilà. Et, et euh, pour finir, nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. On va lire deux versets et puis après, on va clôturer l'émission. Apocalypse 22. Le verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le, le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses, ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Rappelez-vous bien ici, gardez bien à l'esprit le, le, le mot, l'expression, le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Cette phrase-là, plutôt. Le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. Dieu, son ange. Dieu, son ange. Dieu et son ange. Dieu et son, son ange. Et nous sommes euh, au verset euh, euh, 13. Là, Jésus-Christ est en train de parler. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus le dit. Et Dieu le dit aussi. Jésus le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est le Seigneur notre Dieu, Yeshua, qui parle. Et, et euh, ensuite, qu'est-ce que le Seigneur dit et euh, Au verset 14, bénissons ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par, de euh, par, par les portes dans la ville, mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Frères et sœurs, si Jésus n'est pas Dieu, ça, pose, ça poserait un problème. Parce que là, au verset 6 d'Apocalypse 22, on nous dit Dieu a envoyé son ange pour révéler les choses dont il est question dans ce livre, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse. À ses églises, à ses serviteurs, à ses prophètes. Et Jésus-Christ dit lui-même, au verset 16 d'Apocalypse 22, qu'il a envoyé lui-même Jésus, son ange. Mais Jésus est Dieu. L'analogie est simple à faire. Le, 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 le parallèle, mes amis, vous voyez, c'est simple à, à, à comprendre ces choses-là. Quand on a, mes amis, un peu euh, de bonne volonté. Oui, parce que Dieu nous aide, surtout. surtout. C'est lui qui simplifie les choses. Il ne faut pas l'oublier, effectivement. Et euh, voilà, donc Dieu a envoyé son ange, Jésus a envoyé son ange. Donc il ne peut pas y avoir, mes amis, deux euh, êtres sur le, un seul trône. Il y a un seul trône et il y a un seul Dieu qui est assis dessus. On nous dit que l'agneau de Dieu est assis au milieu du trône. C'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 22, et, euh, euh, à partir du verset 1er, et, euh, et, euh, et dans euh, Apocalypse 4 et 5. Un seul être sur le trône qui ressemble à une pierre de jaspe et de sardoine et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Philippe lui pose la question Seigneur euh, et, euh, et euh, montre-nous le Père. Il, il dit dans Jean 14 Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est fort cette parole, mes amis. Oui, nous chrétiens, nous chrétiens, nous aimons les hommes, nous bénissons tout le monde et, euh, et euh, nous disons que Dieu et celui qui laisse les hommes, euh, euh, mes amis, euh, choisir, il nous a choisis bien sûr, il nous a appelés à son service, euh, nous les chrétiens, et, euh, et il nous appelle à, à nous préparer pour son retour, et, mais il a désigné un jour où il va juger le monde. Mais ce Dieu, mes amis, et, euh, et, euh, laisse chacun faire son choix, il nous propose la vie et il ne nous met pas la pression parce qu'il nous aime. Maintenant, c'est à chacun de répondre à l'appel du Seigneur. Chacun est libre de faire euh, ce qu'il veut, tout en sachant qu'à la fin, il aura des comptes à rendre à Dieu. Vous ne voulez pas croire en Dieu, c'est votre droit, c'est votre liberté. Vous voulez euh, servir des idoles, c'est votre choix. Mais nous devons vous dire qu'à la fin, il y aura un jugement. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, selon les Écritures, n'entreront pas, pas dans le royaume des cieux. C'est ce que la parole le dit. Mais, et. Euh, dieu nous invite à, à, à mes amis à la repentance. il nous invite à son royaume. et son sang, le sang de dieu, a coulé à la croix. et euh, c'est ce que la parole nous dit. son sang a été versé pour sauver les hommes et les femmes qui désirent être sauvés, mes amis. et euh, il, vraiment, le dernier passage que nous allons lire, c'est dans matthieu, chapitre 13. matthieu, chapitre 13. et nous lirons à partir euh, du verset et euh, 40, 41. Matthieu 13, 41. Notez aussi bien ces deux passages que nous allons lire. Matthieu 13, 41. Premièrement, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Vous avez vu, Jésus, c'est lui qui le dit. Il dit qu'il a des anges. Ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur le dit. Il enverra ses anges. Il l'a dit ici et il l'a dit dans Apocalypse. Et il, il le dit aussi dans d'autres endroits, hein, endroits. Il a ses anges. Ce sont ses anges à lui. C'est lui qui les a créés. Parce que c'est lui le créateur. Jean 1 nous dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu, le seul Dieu. C'est ce que la parole dit. Et la parole, c est, c est fait, elle s'est faite chair. Hein. La parole nous dit dans Jean 1 là-bas. Elle s'est faite chair. Donc ça, c'est l'incarnation. Le mystère de la piété est grand, nous dit 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. On n'a pas dit Dieu le Fils, ou Dieu le Père, ou Dieu le Saint-Esprit. Dieu, parce qu'il y en a un seul, il n'y en a qu'un. Dieu s'est manifesté en chair, et il est devenu homme, et il est mort à la croix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Il est mort à la croix. Notre Dieu n'est pas un faiblard, n'est pas, mes amis, un fuyard. Il n'a pas fui ses responsabilités, parce qu'il nous aime. Il est mort à la croix, et Trois jours après, il est ressuscité et il est monté au ciel. Voilà l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché selon 1 Corinthiens chapitre 15. C'est l'évangile auquel nous nous, nous sommes euh, attachés, hein, dans lequel nous nous, 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 nous sommes euh, euh, souscrits. Hein, C'est cet évangile-là qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous restaure. Et mes amis, l'évangile, euh, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, est cette puissance qui libère les hommes et les femmes qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'espoir, qui, qui ne savent pas ce qui peut se passer après la mort. Jésus-Christ nous dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il est le seul à avoir proposé la solution face à l'incertitude devant la mort. Et il dit ici qu'il va envoyer ses anges. Pourquoi Pour arracher de son royaume, son royaume. Notez bien, son royaume. Le royaume de qui Le royaume du Fils, le royaume de Jésus. Donc Jésus a ses anges, il a aussi son royaume, et il va arracher hein, de son royaume ceux qui commettent les scandales et ceux qui commettent le péché, et ils les jeteront. Donc les anges de Jésus Christ, ils les jeteront dans la fournaise ardente où, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes restent les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Ah alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, ce royaume, c'est le royaume du Fils. Et on nous dit que c'est le royaume du Fils de l'homme, Jésus-Christ, homme. Et on nous dit que c'est le royaume de Dieu, le Père. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Il n'y a pas deux royaumes, mes amis, où les justes vont euh, régner éternellement. Il n'y en a qu'un. Et on nous dit que c'est le royaume de Jésus. Il dit, c'est mon royaume. Jésus dit, c'est mon royaume. Et il dit, le, nous allons nous réjouir dans le royaume de notre Père. Mais Jésus-Christ ici est en train de, 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 de donner, mes amis, des paroles, une parole puissante. Il est en train de se présenter comme le Père, n'est-ce pas, qui a un royaume dans lequel ses enfants vont régner pendant l'éternité. Cette parole-là, mes amis, eh bien, on ne peut pas la, euh, la laisser euh, cachée. Et nous voulons, bien sûr, avec, euh, 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 avec joie, vous la partager, tout simplement. Dieu veut que les hommes le connaissent. Dieu veut que les hommes connaissent son nom et ce dieu je le répète encore ce soir ne vous, ne vous met pas la pression il ne vous impose pas le salut il vous propose il vous dit venez à, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et je voudrais dire aux français et aux françaises à cette belle nation pour laquelle nous prions une nation qui a vécu plusieurs euh, euh, réveils chrétiens une nation qui a connu euh, des rois chrétiens euh, très engagés très impliqués vous savez que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire et ce dictionnaire est un dictionnaire biblique qui date du 7e siècle du 8e siècle. Et vous vous rendez compte C'est-à-dire le document le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique. Les réformateurs comme Jean Calvin, comme Guillaume Farel bien avant lui, comme Pierre Valdo bien avant Guillaume Farel encore, un riche marchand qui a vendu tous ses biens pour, euh, euh, avec sa, sa richesse pour euh, euh, faire traduire les saintes écritures afin que les Français puissent avoir la parole de Dieu. Tous ces hommes ont posé les bases, ont jeté les fondements pour euh, cette belle nation que euh, euh, nous avons, que, euh, au sein de laquelle nous, nous vivons, et euh, cette nation que nous bénissons, notamment ces autorités pour lesquelles nous prions, que Dieu les bénisse. Président, ministre, euh, député, sénateur, policier, gendarme, parce que la parole nous dit nous chrétiens, nous sommes appelés à honorer, à respecter les autorités et à les bénir. C'est ce que 1 euh, Timothée chapitre 2 nous dit. Et cette nation, mes frères et sœurs français et françaises, cette nation a connu plusieurs mouvements de réveil. Il n'y a qu'à voir les marques, mes amis, de la culture judéo-chrétienne euh, que la France a. Euh, les, les, les effets, les, les marques, les signes, les, 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 les marques tout simplement de, de, de cette, euh, comment dire, euh, chrétienté. Vous avez des noms en France qui portent des noms de chrétiens. Euh, vous avez des villes euh, qui portent des noms de chrétiens. Euh, voilà. Vous avez euh, des, des Français qui portent des noms bibliques. Vous avez Matthieu, vous avez Luc, vous avez Jacques, vous avez Jean-Pierre. Voyez et, euh, et, et vous avez euh, des villes comme Saint-Michel, hein, euh, comme euh, Saint-Geneviève-de-Bois. Hein, c'est des noms, quand même, qui ont un rapport avec les Écritures, même si certains saints sont des saints, c est, c est saints, sont les saints catholiques pour certains. Mais on voit quand même qu'il y a un héritage judéo-chrétien qui est indéniable. Renier sa, euh, sa, 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 son histoire, c'est euh, permettre à toutes sortes de choses de euh, s'y installer. Renier son histoire. C'est se renier soi-même, voilà. Parce que c'est un héritage. Oui, la France est, est un pays euh, bien qu'étant laïque aujourd'hui, mais on ne peut pas nier tous tout ces siècles, mes amis, euh, de d'évangélisation, de témoignage de, 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 de témoignages des chrétiens qui ont évangélisé cette nation, qui ont proclamé la parole. Euh, il y a des, des rois comme Clovis, euh, comme Charlemagne, euh, tout ça qui ont euh, mais, et, et, qui ont aussi euh, eu à, à, à faire à l'évangile. Certains ont financé même la, 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 la duplication des, des Écritures, euh, tout ça, les Écritures saintes. Donc, ça, c'est des réalités qui sont, mes amis, là, qui sont indéniables. Voilà. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de, euh, n'est-ce pas, euh, de, 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 de nous pousser, de nous encourager en méditant la parole, de nous mettre à cœur, de partager cet amour, l'amour du Seigneur, l'amour pour. Les uns et les autres, l'amour de la vérité, l'amour pour notre Dieu. Oui, Dieu est amour. Oui, le Dieu de la Bible est celui qui a manifesté son amour envers ses créatures. Et nous voulons dire haut et fort que ce Dieu est en train de revenir. Nous pensons à toutes ces fusillades, nous pensons à toutes ces victimes et nous prions que le Seigneur soutienne, euh, n'est-ce pas, toutes ces familles qui sont endeuillées, que Dieu euh, vraiment vienne en aide à toutes ces, toutes ces personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans parents, sans enfants, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, et, euh, et nous prions, nous bénissons cette nation au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus-Christ est celui qui veut nous sauver, il est celui qui veut nous bénir. Pour finir, mes amis, le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas un combat physique. Nous devons, en tant que chrétiens, aussi être fiers de notre Dieu et défendre la parole. Comme la parole le dit, comme la parole dit, hein, la parole dit euh, avec mes amis, euh, avec humilité, et nous devons aussi dire aux hommes et aux femmes qui nous entourent Oui, nous sommes chrétiens, oui, nous sommes fiers d'être chrétiens, nous sommes fiers de, n'est-ce pas, respecter ce livre, la parole de Dieu, la Bible, qui nous dit que nous devons prier pour les autorités, qui nous dit que nous devons respecter les policiers par rapport au travail qu'ils font, respecter les gendarmes, respecter les personnes qui sont élevées en dignité, comme les Écritures nous le disent. Oui, nous sommes fiers de cela. Oui, nous sommes fiers, mes amis, d'assister de, 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 euh, les veuves, les orphelins dans leur misère, dans leur combat. Oui, nous sommes fiers d'apporter la parole à ces délinquants, de leur dire que ce n'est pas correct d'aller incendier des voitures, d'aller, mes amis, euh, et tuer des gens. Ce n'est pas correct parce que l'amour de Dieu veut que l'on puisse, mes amis, bénir les uns les autres et dire, si quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, dire que Dieu est celui qui le jugera. Et voilà ce que, ce que la parole nous dit, c'est cela être chrétien. C'est Être chrétien, c'est aussi dénoncer le mal pour ne pas que les faux, ceux qui manipulent, ceux qui dépouillent les gens, euh, qui prennent l'argent des gens, qui font n'importe quoi, qui vont violer des femmes en se servant de la Bible, puissent être démasqués au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, mes amis, et euh, défendons notre chrétienté, défendons notre, euh, notre, la parole du Seigneur. Et euh, comme Jude le dit, bien aimé, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Combattre, ce n'est pas avec les armes physiques. Combattre, ce n'est pas, bien sûr, un insultant. Combattre, ce n'est pas en menant les gens de, de les tuer. Combattre, c'est en disant ouvertement, oui, je confesse, je déclare devant le monde entier que je suis chrétien, que je crois que Dieu et un qui a un seul Dieu, je crois que Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le seul Dieu auquel euh, 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 je suis attaché et je veux lui obéir. Nous voulons lui obéir. Et, et, et mes amis, quel que soit ce qui peut arriver, on défend l'Évangile avec, mes amis, amour, humilité et fermeté au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Être chrétien, c'est aussi le fait de dire, vous ne voulez pas de Jésus, nous respectons votre position. Et à la fin, Dieu jugera les uns et les autres. C'est ça la liberté, c'est ça être chrétien. Et que le nom de Yeshua, notre Dieu, soit glorifié, mes amis. Les démons sont chassés en son nom, les malades sont guéris en son nom, le ciel est ouvert en son nom, car il est la porte des brebis. Que Dieu bénisse les nations, que Dieu bénisse Israël, Jérusalem, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen.